Made in Clems. Aujourd'hui, nous allons faire le banoffee pie. Et oui, c'est une tarte à la confiture de lait, banane et crème fouettée. C'est vraiment très très bon. Alors, pour cette recette, il vous faudra de la farine, du beurre, un jaune d'œuf, de l'eau pour la pâte. L'intégralité de la recette sur le blog madeinclems.fr. Alors, commencez d'abord par faire votre confiture de lait. C'est très simple. Moi, j'ai pris la méthode du lait concentré qu'on met dans une casserole d'eau. Immergez bien votre lait concentré et faites-le cuire, ou faites-le chauffer plutôt, pendant 3 heures, entre 2h30 et 3 heures. Et laissez-le ensuite refroidir pendant que vous préparez la tarte. Alors, pour celle-ci, il vous faudra donc de la farine avec du sucre glace que vous allez mélanger. Ensuite, vous allez ajouter les beurres coupés en cubes froids et vous allez le sabler avec les mains. Quand la pâte est mélangée, vous allez ajouter le jaune d'œuf avec l'eau. Ensuite, amalgamez bien la pâte. Quand la pâte est homogène, vous pouvez la friser. C'est ce geste-ci. Voilà, encore une fois. Ensuite, vous allez mettre la pâte 20 minutes au frais maximum parce qu'il ne faut pas qu'elle soit trop ferme. Vous aurez du mal ensuite à l'étaler. Donc une vingtaine de minutes suffira largement. Lorsqu'elle est prête, vous allez la mettre entre deux feuilles sulfurisées. Ça sera beaucoup plus facile pour l'étaler. Lorsqu'elle est étalée, vous allez, en tout cas en ce qui me concerne, moi j'ai utilisé un cercle, vous avez des petits trous pour faire passer l'air, mais vous pouvez utiliser bien évidemment un moule. Alors l'idéal c'est d'avoir un moule à fond amovible, parce que la pâte est vraiment très très friable. Que ce soit du biscuit émietté qui est la base de cette recette, ou cette pâte que je vous fais faire qui est vraiment très très friable. Alors vous allez mettre la pâte donc dans le cercle et ensuite vous allez froncer les côtés. Alors froncer les côtés, c'est vraiment essayer de faire en sorte que la pâte adhère bien au bord du cercle. Vous allez ensuite couper les bords à l'aide d'un couteau. Ensuite, quand vous avez mis les trous avec la fourchette, vous allez le faire cuire à blanc. Alors moi, j'utilise effectivement des pâtes bien cuites. Alors j'en avais besoin une fois, ça m'avait dépanné. Du coup, j'utilise toujours ces pâtes sèches pour pouvoir faire cuire à blanc mes fonds de tarte. Mais bien évidemment, vous pouvez utiliser des pois ou des billes de cuisson. C'est la même chose, hein. Ça ne change pas du tout. Ensuite, mettre au four pendant 20 minutes à 180 degrés. Ensuite, quand la pâte est cuite, vous allez d'abord couper les bananes. Donc ça, je le fais vraiment à la dernière minute pour qu'ils ne changent pas de couleur. Et ensuite, oui, la fameuse confiture de lait que je vous ai pas montré tout à l'heure. Voilà, elle a une très jolie couleur blonde. C'est vraiment la couleur d'un caramel. Donc, vous allez le verser sur le fond de la pâte et vous allez faire en sorte qu'il y en ait bien jusqu'au bord. Et ensuite, ajoutez tout simplement les bananes coupées en rondelles et vous allez tapisser la tarte entièrement. Alors pour ceux qui n'aiment pas la banane, vous pouvez totalement tester d'autres fruits. Moi je l'ai déjà fait.
C'est plus une banane aux fépailles, mais ça n'est pas grave. J'ai envie de dire, on fait vraiment ce qu'on veut. Ensuite, alors, faites une crème fouettée. Soit vous l'avez, vous pouvez l'avoir dans le commerce, ou sinon vous faites juste fouetter la crème liquide dans un bol bien froid et vous ne mettez pas de sucre, surtout. Ça n'est vraiment pas utile pour cette tarte qui est déjà bien assez gourmande. Ensuite, j'ai pris du cacao en poudre non sucré, juste pour la déco. C'est vraiment facultatif, mais c'est vrai que les Américains utilisent beaucoup cette technique pour finir de décorer cette tarte. Voilà, elle est prête à être dégustée. Vous allez voir, c'est super gourmand. C'est vraiment très très bon, surtout quand on aime le caramel, même si c'est de la confiture de lait. Vous allez voir, c'est super super bon. La pâte est vraiment fondante, friable, à souhait. Vous avez un juste équilibre des goûts grâce à cette crème fouettée qui n'est pas du tout sucrée. Et c'est vraiment, vraiment à tester. Voilà! À bientôt pour de nouvelles recettes!